Bien, bonjour à tous, les amis de la manifestation pour tous, et plus particulièrement vous, les pétitionnaires des 694 428 pétitions que j'ai en votre nom, en tant que mandataire, déposées ici, au CESE, vendredi dernier. Dès lundi, comme j'ai pu vous l'expliquer également, j'ai adressé un courrier au président Jean-Paul Delevoye pour faire préciser les éléments d'appréciation de recevabilité des pétitions conformément à l'article 5 de la loi organique de 2010. Depuis que ce courrier a été déposé par moi-même, par mes soins, lundi à 8h45, avant l'ouverture de ces cartons, je n'ai reçu aucune réponse. Nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur du CESE sur la validation de ces pétitions qui doivent faire l'objet mardi 26 du bureau du CESE qui a capacité à traduire ces pétitions en saisine. Je suis venu aujourd'hui, mercredi, à 16h15, pour savoir ce qui se passait. J'ai pu avoir comme information que des sondages ont eu lieu ou sont en cours. Il est évident que, juridiquement parlant, nous n'avons aucun texte qui nous permette d'apprécier la validation de ces éléments essentiels pour retenir ces pétitions en saisine. En l'absence d'informations aujourd'hui, nous allons, dans les heures qui suivent, réfléchir sur la position que nous devons adopter pour garantir à vos pétitions ce souci de démocratie qui sont, je dirais, votre volonté profonde. Près de 700 000, c'est vraiment une volonté en 3 semaines. Et donc, d'ici vendredi, dans les 48 heures qui viennent, je vous apporterai des éléments concrets en fonction des réponses éventuelles du CESE ou en l'absence de réponse, ce que nous avons prévu au niveau de la Manif pour tous, mais encore plus particulièrement dans ma responsabilité de mandataire de ces pétitions. Je le rappelle, le mandataire doit pouvoir déposer ces pétitions et accompagner leur devenir jusqu'au bureau. C'est cela ma mission. Et j'essaierai de la faire au mieux de vos intérêts personnels, mais quelque part avec 700 000, des intérêts des Français, en tout cas d'une grande majorité. À très bientôt, nous suivons cela de très près. Merci.